Je crois que votre nom a une signification qui est vraiment très symbolique. Que signifie-t-il ? Kateb signifie écrivain. Est-ce que c'est un hasard ? Non, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de gens dans ma tribu qui ont écrit ou qui écrivent, et puis au fait qu'au moment où les Français ont décidé de recenser la population, on a appelé les gens d'après leurs caractéristiques. Alors ça s'explique un peu comme ça, je crois. Vous êtes né où ? Ici même, à Constantine. Mais je n'ai fait qu'y passer, j'y suis resté peu de temps. J'ai passé mon enfance dans l'Est surtout, mais je suis revenu souvent à Constantine. Qui étaient vos parents ? Mon père était un oukil, c'est-à-dire un avocat en justice musulmane. Ma mère était sa cousine. Vous savez qu'on pratique beaucoup le mariage consanguin à l'intérieur des tribus chez nous. C'est ainsi que je suis né d'un mariage consanguin. Et à la suite de multiples voyages, mon père a fait venir ma mère ici, et c'est comme ça que je suis né à Constantine. Vous avez été élevé dans les traditions ? Non, pas tellement dans les traditions. C'est-à-dire, les traditions ont formé une ambiance dans laquelle je vivais, mais je n'étais pas plongé dedans. Mon père ne me forçait pas à être un traditionaliste, qui n'était pas lui-même d'ailleurs. Il était plutôt un libéral. Il y avait dans ma famille un courant libéral et mon père était le représentant de ce courant. Par conséquent, j'étais plutôt libre. Vous parliez quelle langue ? L'arabe, surtout l'arabe au début. Et d'ailleurs, j'ai commencé par aller à l'école coranique. Et puis, par la suite, lorsque j'ai eu 8 ans, j'ai été à l'école française et je me suis passionné pour le français. J'ai commencé à beaucoup aimé la poésie, à écrire, etc. Et de toute façon, je ne pouvais plus reculer. Et mon père ne m'a pas découragé dans cette voie. C'était la seule possible à ce moment-là, mais elle devait engendrer le drame que vous savez, le fait que, justement, la révolution qui est venue par la suite a été en grande partie déclenchée par ces gens de culture française qu'on avait cru engloutis dans une Algérie mythique, l'Algérie coloniale. Et en quelque sorte, nous avons été le catalyseur de cette révolution dans la mesure où nous représentions ce qu'elle avait de plus absurde, de plus difficile à vivre aussi. Votre père vous destinait à un métier, à une profession bien précise ? Naturellement, mon père, comme tout père, je crois, aurait voulu m'éviter les aventures qu'on attache au nom d'écrivain, le fait que ça ne fait pas vivre son homme, etc. Enfin, tout ce qui s'attache à l'écrivain, toute la légende. Il était pourtant lui-même poète, je crois. Oui, mais pour lui, c'était un violon dingue. Tandis que pour moi, déjà, dès que j'ai été exclu du collège pour avoir participé à une manifestation politique, et pour déjà être devenu en quelque sorte un rebelle à l'intérieur du système auquel j'étais destiné, évidemment, le choix de la poésie était devenu total pour moi. Je voulais vivre pour ça et uniquement pour ça. Mais il ne m'en a pas empêché. Il n'a pas été contre, il ne pouvait pas être pour, mais il a eu le grand mérite de ne pas être contre. Votre mère a eu une grande influence sur vous ? Oui, évidemment, d'autant plus que ma mère était au fond ma première source d'inspiration, parce que les femmes vivant recluses chez nous, les enfants, d'autant plus que j'étais à ce moment-là fils unique, vivent beaucoup avec leur mère. Ma mère, précisément, était très passionné de poésie arabe, de théâtre, etc. Et toute la journée, au fond, la maison était une espèce de théâtre. C'est au fond avec ma mère que j'ai balbutié les premiers éléments de ma poétique en arabe. C'est ce qui s'est transformé ensuite dans la langue française. Mais la source d'inspiration, c'était elle. Alors évidemment, par la suite, à la suite de mon arrestation, elle a perdu la raison, elle est restée très longtemps à l'hôpital. Je crois que nous sommes devant cet hôpital, d'ailleurs. Oui, justement, j'ai 1000 fois bataillé pour la faire passer sur ce pont, qui est pour moi de sinistre mémoire, mais malgré tout, j'aime y revenir. C'est pour ça que ce pont vous a toujours fait peur ? Ah oui, il est lié pour moi à des luttes terribles, une lutte contre ce que j'avais de plus cher, et puis mener sa propre mère à l'asile dans l'idée que peut-être on n'en sortira pas, c'est...
Vous voyez ce que ça signifie pour un enfant, enfin. Ce pont effrayant sur le Rumel, cette ville de Constantine appelée parfois l'écrasante et traversée par ses gorges profondes, voilà sans doute le point de convergence des chemins étranges d'une destinée et d'une œuvre. En effet, qu'il s'agisse du cercle des représailles dans lequel s'inscrit le cadavre encerclé, de Nejma, qui en arabe signifie l'étoile, ou du dernier livre, le polygone étoilé, on retrouve le même tracé qui, depuis Constantine, part en pointe jusqu'à Sétif, Bonn, Aïn Beïda, Alger. La vie et l'œuvre de Kateb Yassine sont à jamais gravées dans ce périmètre où il a connu les joies et les souffrances les plus violentes qui soient. Il est né ici en août 1929, au cœur de la Casbah. Une très vieille maison arabe, qui aurait pu être le décor paisible d'une vie simple et belle, mais qui en réalité fut transformée pendant de longues années en véritable forteresse, car elle abritait le quartier général d'un groupe FLN. Avant de revenir aujourd'hui avec nous dans cette maison, Kateb Yassine a dû passer par Paris, Milan, Tunis, Bruxelles, Hambourg, Stockholm, Trieste, Zagreb, Berlin, Florence, Rome, Moscou, Kislovodsk, Bad Godesberg, beaucoup d'autres villes encore où il n'avait que faire. Mais comme il dit lui-même, ainsi va la vie d'écrivain errant, d'écrivain public, d'écrivain en grève, en exil, en rupture de banc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le 8 mai 1945 à Sétif ? Il y avait, ça coïncidait tout juste avec la victoire sur le nazisme, sur les Allemands, et il y avait une manifestation officielle au monument aux morts. Et de l'autre côté, le mouvement nationaliste avait organisé une manifestation à part pour demander l'indépendance de l'Algérie, le respect de la charte de San Francisco, enfin un certain nombre de choses qui étaient les revendications nationalistes de l'époque. Alors j'ai participé à la seconde manifestation, naturellement, avec les autres étudiants. Et j'ai vu le début de la tuerie, mais ça ne s'est pas passé en un jour. Le premier jour, il y a eu déjà des centaines de morts, mais ça a duré des mois. Il y a eu une répression, beaucoup de gens fusillés. Il y a eu même des fours à chaud dans les deux régions de Sétif et de Galma. Et comme par coïncidence, ma famille est plutôt originaire de Galma, du moins la fraction algérienne de ma famille. Tandis que moi, j'étais à Sétif. Par conséquent, du côté de ma mère, elle a pris un peu pour ses frères, pour des cousins que nous avons eu assassinés, etc. Pour toute la tragédie que c'est devenu dans la plupart des familles de l'Est constantinois et des Hauts-Plateaux. Il se trouve que j'ai été vraiment touché de plein fouet par ces événements. Et je crois bien que c'est ce qui a déterminé tout le reste de mon existence, c'est-à-dire la décision de ne plus poursuivre mes études, et puis non seulement d'écrire, mais de militer, de m'inscrire davantage dans le mouvement politique. Parce qu'au fond, ce peuple algérien que je devais découvrir plus tard, je ne le connaissais pas encore, même au collège. Et à plus forte raison, quand j'étais gosse dans les rues, je le voyais sans le voir, en quelque sorte. C'est seulement en prison, lorsque nous sommes trouvés parfois une vingtaine dans une cellule, qu'après la première appréhension, j'ai découvert des hommes, je les ai découverts dans leur dimension populaire, enfin, très près, comme ils n'auraient jamais pu être si près. Et ça a été, ça aussi, une énorme, enfin une grande révélation. Et quand je suis sorti, de prison, j'étais exclu du collège, de toute façon, il n'était pas question de poursuivre mes études. J'ai fait quelques conférences, et puis j'ai découvert une autre chose encore, c'est le soutien que pouvait m'apporter ce peuple que j'avais trouvé en prison. Entre-temps, j'ai découvert justement dans des magasins de coiffure, dans des gargotes, dans des cafés morts. J'ai découvert un tout autre public qui parfois était à peine alphabétisé, mais qui était beaucoup plus sensible et qui me soutenait par principe comme il aurait soutenu un boxeur ou un jeune Algérien qui faisait du football. À ce moment-là, le sentiment national rapprochait instinctivement toutes les couches de la société. Alors pour moi, c'était très important de ne plus me sentir seul, comme écrivain, comme poète, de comprendre que je pouvais attendre un soutien de ce peuple que je ne connaissais pas jusque-là.
Vous êtes revenu ensuite à Constantine. Oui, j'y suis revenu. D'abord à Constantine, une des choses qui m'ont ramené le plus longtemps, je crois, c'est que j'y ai trouvé pour la première fois un mécène, un homme extraordinaire que j'appelle Si Mokhtar dans Nejma, dans le roman, qui en réalité s'appelait Cheikh Mohamed Tarb Lemnissi. C'était un vieil homme déjà, il avait plus de 70 ans. Et il était vraiment étonnant, infatigable. Par exemple, la Médarsa de Constantine, c'est-à-dire l'université musulmane de ce temps, les étudiants étaient très misérables. Eh bien, chaque matin, Cheikh Mohamed Tarb allait leur amener un beignet. Chaque étudiant avait son beignet que lui portait ce vieil homme. Et il aidait un peu tout le monde, il était très connu, très spirituel. Et c'est lui qui, le premier, m'a payé une pension à Constantine, dans un hôtel, à l'hôtel Sirta, justement. C'est lui qui m'a introduit un peu partout, qui m'a fait vendre mes livres dans les milieux les plus invraisemblables, qui m'a fait organiser une conférence, la première, à Constantine. J'y suis resté 7 ou 8 mois. Et à ce moment-là, je commençais déjà à former le projet d'aller à Paris. J'ai fait un premier voyage qui a mal tourné. Je n'ai pas réussi à faire grand-chose. Je crois que j'ai publié 1 ou 2 poèmes comme ça dans la presse. À ce moment-là, je suis revenu de nouveau à Constantine, mais ayant formé le projet de faire du journalisme pour vivre en Algérie, pour trouver le moyen d'y subsister et en même temps de travailler. Parce que je sentais la nécessité d'élaborer la matière que j'avais, qui était en formation à ce moment-là dans ma tête. Et là, je suis venu pour la première fois à Alger. J'ai travaillé dans un quotidien, l'unique quotidien d'opposition de gauche qu'il y avait à l'époque, Alger Républicain. Ça a tenu tant que ça a tenu jusqu'à la mort de mon père. Enfin, à ce moment-là, j'ai eu des charges familiales. Et le journalisme militant ne pouvant plus être une solution pour moi, je suis reparti pour la France. D'ailleurs, avant de partir d'ici, avant de partir d'Alger, j'avais été docker déjà pendant quelques mois. Mais ensuite, il y a eu le chômage, c'est-à-dire juste après l'hiver, je suis parti. Et en France, alors, j'ai fait un petit peu les besognes que peut faire quelqu'un qui veut gagner sa vie et envoyer de l'argent à sa famille en même temps. Jusqu'au moment où j'ai réussi alors à publier des choses plus sérieuses dans les revues et à trouver la possibilité de vivre cette fois en écrivain et en journaliste. Est-ce que le fait que vous étiez algérien a freiné en quelque sorte votre accès à la littérature, au milieu littéraire français ? Oui, beaucoup. Surtout pendant les premières années. Il y a eu une série de malentendus. D'abord, à ce moment-là, l'école algérienne était représentée par quelqu'un comme Camus, par exemple, comme Robles. Les Algériens étaient à peine tolérés parfois dans certaines revues, un peu pour la forme, pour l'exotisme, mais on ne prenait pas au sérieux la littérature algérienne. C'est seulement d'ailleurs au fond, c'est la guerre qui nous a poussés en avant. Les premiers livres de Dib, par exemple, ont coïncidé avec le déclenchement de la guerre. Le Cadavre encerclé, pour moi aussi, je l'ai terminé c'était en janvier 1954. C'est-à-dire, on parlait déjà beaucoup de l'Algérie et ça a évidemment aidé. Ça a fait que les revues françaises se sont ouvertes beaucoup plus facilement. Les gens étaient beaucoup plus intéressés. Et pour moi, c'est surtout en 1956, avec Nejma, que j'ai réellement mesuré un intérêt réel du côté du public français. C'est à Alger, sans doute, que nous avons retrouvé Kateb Yassine. Mais cet éternel exilé n'était pas dans son pays au lendemain de la guerre et il n'arrive pas encore aujourd'hui à se réadapter complètement. Il nous a donc paru intéressant d'interroger 4 jeunes sur lesquels l'Union des écrivains algériens avait attiré notre attention et qui, sans avoir été marqués aussi tragiquement par la guerre, doivent cependant faire front aux séquelles de la colonisation et aux problèmes multiples qui sont ceux des États nouvellement indépendants. Pour nous qui écrivons, enfin, intellectuels, c'est le mot, on est à cheval. Il y a une réalité et il y a une réalité où on est vivant et il y a une pensée que nous pensons. Et nous sommes marqués par tout ce qui a été fait comme culture universelle,
puis c'est, fort, c'est très beau, c'est souvent très très élevé. C'est... Et puis d'un autre côté, il y a la réalité de tous les jours, la réalité qui est très dure ici, économiquement, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, et les problèmes même mentaux, question de structure mentale même. Et nous, souvent la communication est difficile, sinon impossible, parfois impossible. Et... Moi, pour moi, le problème est essentiellement social, et bien sûr, si c'est social, c'est absolument politique. Donc, c'est surtout la réalité sociale, la mentalité sociale, la réalité sociale, les problèmes sociaux, les tabous, tout cela en Algérie, et dans les pays arabes, grosso modo, qui m'intéresse, qui me passionne, parce que finalement, il ne me passionne pas à titre gratuit, mais j'y suis, j'y souffre. Et ça me pose, même pour moi personnellement, certains problèmes dans ma famille, dans ma vie, etc. Et je pense qu'il s'agit de sensibiliser l'opinion, de surtout dénoncer certaines choses, certaines hypocrisies, certaines fuites dans les réalités. Et voilà mon projet finalement, surtout les structures de la famille en Algérie. Les problèmes de la femme, et tout cela finalement relève aussi des problèmes de la misère, des problèmes de l'enseignement, des problèmes d'une civilisation, d'un peuple, etc. Je crois que la grande responsabilité de l'écrivain ici, c'est de dire ce qui a trait justement à la conscience du peuple. L'écrivain est une sorte de porte-parole. Il a toujours été ainsi. Il a toujours été dans le peuple. En Algérie, il est une tradition, particulièrement dans la littérature orale, où il y a une véritable tradition de défense du clan. Je crois que pour tout colonisé, le thème qui lui tient le plus à cœur, c'est celui de retrouver son humanité et l'originalité qui est propre à son peuple, quoi. Est-ce que c'est un travail très difficile? Est-ce qu'il faut surmonter énormément de choses qui vous ont marqué? Il faut surmonter nos faiblesses, il faut surmonter déceler nos aliénations. Il faut faire vraiment preuve de vigilance. On sort déformé, vraiment déformé et malade du pressoir colonialiste. Je crois que ce qui caractérise votre génération, c'est un ton généralement très sombre, très pessimiste. Là, je m'étonne tout de même parce que vous êtes dans un pays jeune qui se construit. Comment expliquez-vous ça ? Je ne pense pas que ce soit étonnant parce que quand on commence à gagner sa vie à l'âge de 10 ans, 12 ans ou 14 ans, pour à la fois payer ses études et avoir de quoi manger, quelquefois même subvenir aux besoins d'une famille, arriver à 24 ans et se retrouver pratiquement comme à l'âge de 10 ans, on ne sait pas où on va au juste, je pense qu'il y a de quoi être pessimiste. Puis après tout, le pessimisme est une forme d'optimisme, beaucoup plus payant que l'optimisme béat. De dire tout va bien, il vaut mieux dire tout va mal, pourquoi tout va mal, et puis essayer de trouver des solutions. Sur le plan littéraire, presque tous, vous êtes avant tout des poètes. Est-ce que vous pensez que vous allez passer à une autre étape? Est-ce que vous allez passer au roman, par exemple? Personnellement, j'y suis déjà passé, puisque je dois avoir un roman qui sort ces jours-ci en France. Je vais recevoir les exemplaires dans quelques jours. Nous sommes tous poètes, c'est vrai, parce que l'Algérien est généralement poète. Mais il y a aussi ceci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent en Algérie. Ils sont pressés parce que l'Algérie est un pays qui bouillonne. Et le lecteur préfère un poème qu'il lit sur le champ, quitte à reprendre le livre par la suite, puis ensuite partir au travail ou pour autre chose. Tandis qu'un roman, malgré tout, on est tenu par l'intrigue. Et on n'a pas toujours le temps de lire un roman, surtout s'il est difficile.
C'est donc peut-être plus efficace d'écrire un poème. Pour l'instant, c'est plus efficace, je pense, pour l'Algérie en tout cas. Junaidi Khalifa, vous êtes écrivain algérien, mais vous êtes écrivain algérien de langue arabe. Vous êtes combien à écrire l'arabe actuellement en Algérie? Les écrivains en arabe, il y a qui écrivent la prose, qui écrivent les poèmes. Les poètes, ils sont nombreux. Ils sont peut-être 5, 6, 7, on peut même compter 10. Les écrivains de prose, ils sont moins nombreux. Il y a 3, 4. Comment expliquez-vous qu'il y ait moins d'écrivains de langue arabe que d'écrivains de langue française? D'abord, il y a la question de la langue arabe. Elle était langue exclue, éloignée du peuple et de l'enseignement par la cause du colonialisme. La littérature arabe en général, elle est dans la Renaissance, c'est-à-dire n'est pas une littérature qui a beaucoup de dimensions, comme la littérature européenne, par exemple, qui a une base de 4 ou 5 siècles. Ajoutons que les écrivains algériens de langue arabe étaient des jeunes et s'occupaient de leur étude, ou pendant la Révolution, ils étaient au sein de la Révolution. Ce sont, d'après moi, les causes les plus essentielles dans cette question. Vous venez de me dire que vous êtes bilingue, il ne vous est pas venu à l'idée d'écrire en arabe? Si, si, j'écris. J'écris, mais je préfère le français parce que c'est une arme, c'est une meilleure arme, c'est tout. Je pense que j'ai 2 armes et la meilleure, c'est celle qui tire le plus, c'est le français. Comme dit je ne sais quel poète chilien, j'écris pour des gens qui, hélas, ne me lisent pas, des gens qui ne lisent pas. Dans la grande majorité, ne peuvent pas me lire. J'espère qu'on nous lira plus tard. Nous tous qui écrivons en français, quoi. Ici, en Algérie, on écrit pour l'avenir, on écrit pas maintenant. Maintenant, on traite des questions algériennes dans des journaux littéraires. Par exemple, l'Al-Moujahid. J'ai chaque semaine 4 ou 3 pages depuis un an. On traite des questions qui sont locales, un peu locales. Mais lorsqu'il s'agit des livres ou des essais, des choses, on traite des choses à l'échelon du monde arabe. C'est-à-dire, on écrit pour les Algériens qui vont naître, mais pas maintenant. Est-ce que vous pensez que les écrivains algériens qui ont choisi le français ont fait un mauvais choix? D'ailleurs, si vous permettez, ils n'ont pas choisi ça. Ils n'avaient pas le choix. Il y avait le colonialisme, il y avait des moyens pour apprendre le français, alors qu'il n'y avait pas de moyens pour apprendre l'arabe, c'est tout. Mais de toute façon, le français, c'est une langue internationale, si vous voulez, une langue de lecture. On n'est pas contre le français. Mais qu'on doit avoir avant tout notre langue nationale. Quels sont les grands écrivains algériens que vous admirez le plus ou qui vous ont peut-être influencé? C'est une question très, très dangereuse. Je sais pas. Oh, il n'y en a qu'un seul vraiment qui m'emballe totalement, un seul, c'est Kateb Yassin, uniquement. Pourquoi? Je sais pas, parce que je trouve qu'il a posé les problèmes de la réalité algérienne d'un certain moment, d'une certaine époque, d'une façon littéraire absolument géniale. La création était vraiment géniale et il y avait toujours la réalité algérienne d'une certaine époque qu'il avait vécue. Et c'est un grand poète dans son bouquin, dans son livre Nejma. C'est pour moi l'idéal, c'est-à-dire essayer de mettre toute la poésie dont on est capable dans un roman
qui traitait de réalités très, très pratiques et très réelles et très quotidiennes. Voilà. Kateb Yassine est un grand écrivain, ça, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de différence, il y a pas de, je ne peux pas faire de rapport avec d'autres, il est unique. Kateb Yassine, comment êtes-vous arrivé à la conception de cette pièce extraordinaire qui s'appelle Le cadavre encerclé? Je l'ai commencé vers 1947 en France, à Paris. Enfin, j'en avais déjà eu l'idée, surtout en prison, mais je n'ai pu la commencer à l'écrire que 2 ans après. Je l'avais donné à la revue Esprit, et puis j'étais revenu en Algérie, j'avais complètement oublié la pièce. C'est seulement plusieurs années après, en 1951, que je l'ai retrouvée à la revue Esprit. Et alors, à ce moment-là, elle a commencé, j'ai tout d'un coup eu une illumination, l'idée que je pouvais faire quelque chose tout de suite, et je me suis mis au travail. Et puis, j'ai encore arrêté, pour des raisons, enfin, surtout matérielles, changement de chambre, enfin, tout ce qui était lié à la vie errante de l'écrivain. Jusqu'au moment où, un jour, j'ai eu les conditions voulues à Paris, chez un ami, dans une maison où j'avais à peu près tout, et la paix, et les livres, et tout ce qu'il fallait. Alors, je l'ai terminé en même temps que j'ai terminé Nejma, d'ailleurs, presque en même temps. Quelle est la différence entre Nejma et Le cadavre encerclé? Parce que je crois que ce sont deux œuvres, l'une un roman, l'autre une pièce de théâtre, qui sont presque parentes, en quelque sorte. Pour moi, enfin, pour autant que je puisse en juger, je crois que c'est la même œuvre, sous des formes différentes, et qui a sa source dans la poésie, au fond, dans un poème qui s'est changé par la suite de mille façons, qui aboutit alors au théâtre et au roman. Mais au fond, c'est la même œuvre. On y retrouve d'ailleurs les mêmes personnages. Est-ce que tout s'organise autour de cette femme qui me semble un mythe et qui s'appelle Nejma? Oui, c'est un... Si vous voulez, c'est un symbole en même temps qu'une femme vivante. C'est quelque chose qui existe à un point extrême, mais qui en même temps a des difficultés à exister sur un plan très, très restreint, comme celui de la vie courante. Une Algérie qui naît du chaos, en quelque sorte, qui est déjà là, mais qui n'est pas encore là, qu'il faut toujours chercher. Alors là, évidemment, la femme a fini par incarner le pays, à mon insu, d'ailleurs. C'est-à-dire, je crois que le personnage, même en dehors de ce qu'on veut y mettre, commence à vivre lui-même. Au fond, la première image qui s'est présentée à moi quand j'ai commencé à écrire la pièce, ça a été des ruines. Et d'ailleurs, je me représente mal l'Algérie sans ces ruines. C'est une épaisseur du pays. On sent là que la vie du pays est séculaire, qu'elle a des prolongements beaucoup plus vastes qu'on s'y attendrait. Les ruines, enfin, pour moi, signifient non seulement la guerre toujours présente, mais la vie qui reprend. En même temps, une permanence des choses qui semblent perdues à jamais, mais qui sont toujours là. Quelque chose de très propice, par exemple, à la création d'une pièce de théâtre, et qui donne autre chose que des représentations entre quatre murs, où il y a seulement une petite partie de la société qui est admise, et où forcément le théâtre se déforme, il devient une chose détachée de tout. Alors qu'ici, par exemple, dans un site comme celui-là, jouer, je crois, dans un théâtre comme celui de Tipaza, jouer dans ce site-là, à mon avis, c'est vraiment jouer la pièce comme il faut la jouer. Eh bien, nous allons nous en rendre compte, puisque les deux interprètes principaux, Naïma et Jafar, sont précisément en train de répéter leur texte, de répéter les rôles qu'ils joueront dans Le cadavre encerclé. Ici est la rue des Vandales. Ah, l'espace manque pour montrer dans toutes ses perspectives la rue des mendiants et des éclopés. Entendre les appels des vierges somnambules, suivre des cercueils d'enfants et recevoir dans la musique des maisons closes le bref murmure des agitateurs. Ici, je suis né. Ici, je rampe encore pour apprendre à me tenir debout avec la même blessure ombilicale qu'il n'est plus temps de recoudre. Et je retourne à la sanglante source
à notre mère incorruptible, la matière jamais en défaut. Ici est la rue des Vandales, des militants de la Marmaille circoncise et des nouvelles mariées. Ici est notre rue. Je ne suis plus un corps, mais je suis une rue. C'est un canon qu'il faut désormais pour m'abattre. Si le canon m'abat, je serai encore là, lueur d'astre glorifiant les ruines. Ici est la rue de Nejma, mon étoile, la seule artère où je veux rendre l'âme. C'est une rue toujours crépusculaire, dont les maisons perdent leur blancheur comme du sang, avec une violence d'atomes au bord de l'explosion. Lahda s'endort avec d'autres que moi. Vous m'aviez prévenu. J'avais rêvé la fusillade. Mais il devait revenir au crépuscule. Je devais lui cacher mes larmes et son couteau. Et me voici vouée à la nuit solitaire. Veuve jamais déflorée. Fleur aveugle. Cherchant l'élu emporté en l'holocauste de fourmilières qui hante sa corolle. Ainsi m'a quitté Lahda. Le mâle fourmi qui traversa le parfum altier de ma couche pour tomber dans ce tas de corps inconnus. Je me retrouve dans notre ville. Elle reprend forme. Et la rue des Vandales prend fin à mes yeux, comme sous un orage, avant une minute précise où la nuit s'écroule au cœur des pierres, dans la poitrine des insectes que le vent et le gel fouillent jusqu'au matin. C'est alors qu'un mur immense est élevé entre la ville immense et moi. Je sors enfin de cette mort tenace et de la ville morte où me voici enseveli. Sur un arbre éperdu s'évertue ma riche famille. Riche de sang et de racines, la tribu au mausolée désert qui vécut avant moi dans un arôme de café grillé. Nos voisins jamais n'en donnèrent à Zohra, la mère fuie que je n'ose revoir sans la délivrer du bellâtre qui l'épousa, en l'absence de mon véritable père trépassé dans une automobile avec une prostituée, ce père dont la mort atroce fut l'un des gouffres engloutissant les restes de la tribu. Ce mort qui ne m'évoque rien, rien que la férocité du sort et dont le bref passage me laisse loin en arrière, poisson mort insensiblement procréé au-delà des entrailles maternelles. Ainsi, ma mort traverse une autre mort prématurément paternelle et je n'ai plus qu'un parâtre pour détourner Zohra, ma mère, de ma sépulture et je n'ai plus que les amis à qui reviendra Nejma, l'amante en exil. Et me voici doublement abattu. Est-ce que lorsque vous étiez en France, vous aviez l'impression d'être exilé? L'Algérien, au fond, est toujours en exil. Il est, surtout s'il est de culture française ou s'il est projeté dans la société française, dans la société industrielle française, s'il vient d'Algérie, il ne peut pas évidemment manquer de ressentir doublement cet exil. Mais il le sent déjà chez lui. L'Algérien de la période coloniale se sent forcément rejeté et exilé, au sens positif du terme. Dans sa langue, souvent, s'il parle un dialecte, par exemple, s'il est kabyle, il se sent exilé vis-à-vis de l'arabe, et vice-versa. Si quelqu'un de langue arabe se trouve en grande Kabylie et qu'il ne parle pas la langue, de nouveau, il ressent cet exil. Là, il s'agit d'un aspect linguistique sur le plan le plus important, sur le plan social, sur le plan politique. Cet exil, il le sent sous la forme oppressive. L'Algérie coloniale, c'est en quelque sorte rejeter l'Algérien
même si c'était un intellectuel, le vomissait en quelque sorte, et surtout si c'était un intellectuel. Si bien que l'écrivain se retrouvait avec le prolétaire, il y avait une solidarité de fait qui m'a aidé en tout cas personnellement, en France beaucoup, puisque c'est en France qu'on trouve la plus grande concentration de travailleurs algériens, et puis plus tard en Europe. En Italie, je n'ai pas rencontré beaucoup d'Algériens, j'en ai souffert d'ailleurs, mais plus tard en Belgique, en Allemagne, j'ai de nouveau rencontré de nombreux Algériens, ce qui a contribué en quelque sorte à me fixer dans ce pays. Est-ce que lorsque la guerre alors a fait rage, vous avez jamais éprouvé un sentiment de haine vis-à-vis du peuple français ? Non, de haine non, mais les rapports étaient devenus vraiment tendus. C'était des rapports passionnels. Enfin, de mon côté, ça n'a pas été aussi tragique que pour un Jean Amrouche, par exemple, qui était devenu totalement français. Je ne faisais que parler le français. J'étais passé par l'école du nationalisme algérien. Je me considérais comme un Algérien, comme un patriote algérien. Et en plus, j'adhérais aux idées de l'internationalisme, ce qui faisait que je comprenais, enfin, ou que j'étais peut-être mieux armé pour comprendre ces choses-là. En tout cas, pour le nationaliste, pour celui qui reste nationaliste, venant d'un pays colonial, son contact avec la classe ouvrière française et le peuple français a été très décevant vers la fin. Au moment où la révolution a éclaté, on a bien senti le divorce entre les deux mouvements, le mouvement ouvrier français, européen, et le mouvement de libération des peuples coloniaux. Il y a eu vraiment des moments de vide tragiques, il y a eu des moments d'hostilité ouverte aussi, et puis de méfiance très lourde. Fort heureusement, à la base, il y a toujours eu des militants, des groupes, puis le peuple, des gens qui se sont chargés d'assumer la mission historique enfin, qui leur incombait et qui peu à peu ont pris conscience. Enfin, à la fin, on peut dire qu'en France, l'idée de l'indépendance algérienne avait fait vraiment beaucoup de chemin. Mais ça n'a pas été sans mal. Et pour l'écrivain algérien, évidemment, cela devenait une situation intenable. Enfin, il y avait un commencement de haine qui germait, bien sûr, parce que rien de tel que pour engendrer la haine que l'amour déçu, vous pensez bien. Or, pour écrire vraiment en français, pour s'adresser au peuple français, il fallait avoir une grande confiance en lui. Il fallait forcément s'en faire une idée, peut-être l'idéaliser. Le fait d'être obligé de le quitter et de divorcer profondément avec lui a contribué pour beaucoup, enfin, en ce qui me concerne surtout, a contribué pour beaucoup à me changer, à faire de moi un écrivain vraiment conscient de ce qu'il ne trouverait jamais plus, d'attache en pays français, par exemple, et en pays étranger, tout court, mais en France tout particulièrement. Maintenant, par exemple, je ne n'envisage plus de vivre en France. C'est une chose qui ne me vient plus à l'esprit. Si j'étais obligé d'aller ailleurs, et si j'en avais les moyens, je crois que j'irais dans un pays justement dont j'ignorerais la langue. Ce serait pour moi une révélation. Ça en a été une d'ailleurs à chaque fois que j'ai. Dès le moment où j'ai été obligé de quitter la France. La blessure reste ouverte. Oui, la blessure reste ouverte, d'autant plus que les jeux sont inégaux là. Vous pensez. Si vous pensez à une chose. Les écrivains algériens, ceux qui sont lus à l'heure actuelle, sont édités en France par des éditeurs français. Ce sont en général des éditeurs courageux. Le mien l'a été, par exemple. Mais cela n'empêche que c'est un éditeur français et que je suis un écrivain algérien. Dans la vision qu'il se fait de moi, il attend une œuvre qui n'est peut-être pas celle que je dois écrire moi, ou celle que j'écrirais en tout cas si j'étais fixé en Algérie avec un éditeur algérien et des lecteurs algériens. Il y a une équivoque là qu'il faut trancher. Je ne dis pas que cela ne nous a pas servi, au contraire, puisque c'est grâce à ces éditeurs français que nous avons été publiés. Et finalement que nous avons été même amenés à la conscience de notre propre peuple. Mais maintenant, le moment est venu de faire cesser cette équivoque, parce que cela masque un vide ici. En quelque sorte, c'est se rendre complice d'un vide tragique de la culture qui existe ici en Algérie. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai songé à revenir dès le début de l'indépendance. J'ai fait plusieurs tentatives malheureuses. Enfin, cette fois-ci, je crois que je resterai au maximum et que je ferai. Enfin, je n'ai pas l'impression que cette fois, les choses vont se passer de la même façon. Parce qu'il fallait
fallait concevoir d'abord l'insertion de l'écrivain dans la révolution, dans le FLN par exemple. Est-ce que vous pensez que la révolution que vous avez faite, elle est aujourd'hui terminée? Je pense que la révolution n'est jamais terminée et que la façon la plus large peut-être de voir la révolution, ce serait de la voir comme elle est inscrite dans les astres, puisque le monde est toujours en révolution. Pour ce qui nous concerne, si nous voulons édifier une société, elle commence, et surtout pour les écrivains. De ce point de vue, quelqu'un comme Fanon, je crois, a énormément contribué à poser ce problème, seulement à le poser, de même que l'Achraf l'a fait. Mais jusqu'ici, nous ne pouvons pas dire encore que les écrivains algériens soient groupés dans la révolution qui reste à faire. C'est une chose, c'est un problème de plus en plus urgent. Quel est le rôle précis que vous assignez à l'écrivain algérien d'aujourd'hui? Eh bien, une véritable union des écrivains, d'abord, devrait rechercher tous les écrivains, leur donner la possibilité de s'exprimer, organiser un vrai congrès qui serait minutieusement préparé, faire le recensement des tâches qui nous attendent, faire une critique serrée de tout ce qui a pu être entrepris ou conçu dans la fièvre des premières années de l'indépendance, faire une critique serrée de tout ce qui a été fait jusqu'ici, et à partir de là, établir un ordre d'urgence sur le plan pratique. D'abord, faire cesser l'exil des Algériens. Faire que Mohamed Dib ne soit plus obligé de vivre en France, mais puisse venir ici sans se demander s'il va encore chercher une chambre, du travail, etc. Ce qui est scandaleux, puisqu'il a un public ici, et qu'il serait assuré de vivre si l'Union des écrivains s'occupait de lui. L'Union des écrivains devrait également, au lieu de sembler rechercher l'exil de certains écrivains, le faire cesser. Il y a diverses façons de s'exiler. Le même Lachraf, qui est aujourd'hui ambassadeur en Argentine, s'est fait renverser en autobus, par un autobus à Paris, où il se trouvait sans chambre après la guerre, après toutes les épreuves traversées, pendant que l'Union factice des écrivains ici organisait des réceptions et semblait nier ce genre de problème. Nous avons un autre publiciste, un historien aussi, qui est aujourd'hui ambassadeur en Chine, c'est Mohamed Sherif Sahli. C'est encore quelqu'un qui, bien sûr, il est bon qu'il soit en Chine, il mérite d'y être, mais sa place serait ici. Et je pense qu'il faudrait une véritable politique de la culture, pour l'ensemble de la culture algérienne. D'abord, faire cesser l'exil, ensuite créer des conditions matérielles minimum pour qu'évidemment les écrivains puissent travailler, se préoccuper de leur donner une plus grande liberté d'expression, se préoccuper d'établir des liens entre eux, mettre à leur disposition tous les moyens possibles, leur donner la possibilité de connaître leur pays, de voyager à l'intérieur du pays. Et je crois que c'est inexcusable de ne pas commencer à faire ce qui est fait déjà partout. Il n'existe pas de pays socialiste où ces choses ne soient déjà faites. Maintenant, dans les pays d'Occident, les écrivains sont organisés autrement, mais ils sont organisés. Et jusqu'ici, le vide n'est pas comblé chez nous. Vous-même, personnellement, quelles sont les tâches que vous voudriez entreprendre ? Eh bien, pour ma part, voilà, ce que je voudrais, c'est pouvoir monter les pièces déjà écrites, pouvoir monter d'autres avec une équipe qui serait toute prête déjà, une équipe où il y aurait des jeunes et des écrivains déjà connus, des peintres, des gens d'un autre horizon, du cinéma, du théâtre, etc. Constituer une équipe de travail qui pourrait, alors à ce moment-là, aller du théâtre au cinéma, et puis aussi trouver le moyen. Par exemple, pour moi c'est très délicat, je suis toujours sans logement, je n'ai pas jusqu'ici en Algérie un coin où je puisse me dire, voilà, tu vas aller là-bas pendant 6 mois, tu n'auras pas de problème matériel, tu pourras écrire. Et c'est pourtant là que tout commence. Tant que cette base matérielle n'existe pas, l'écrivain peut être doué d'une grande force d'expression, il n'écrit rien parce que les conditions ne sont pas créées. Et effectivement, notre littérature traverse une crise, non seulement en qualité, mais même en quantité. Les écrivains écrivent moins. Depuis la guerre, il y a une baisse très nette. Et je crois que ce problème va finalement se poser avec acuité. Enfin, pour ma part, je m'emploie à le poser. J'ai déjà tenté d'en parler dans une interview à Révolution africaine. Cette interview a été censurée, elle n'est jamais parue.
Alors vous voyez, c'est un combat, mais je crois que vers la fin, on ne pourra pas éviter de poser le problème comme il doit l'être, de réunir les écrivains, de les considérer comme la force qu'ils doivent être pour un pays qui a tout à dire, tout à exprimer. Et je crois que dans ce combat, je suis loin d'être seul. Beaucoup de jeunes écrivains pensent comme ça. Vous qui aimez tant le peuple, qui aimez vivre justement d'ailleurs parmi lui, est-ce que vous ne pensez pas que si vous aviez pu écrire en arabe, vous auriez été toujours plus près de lui? Ah, je pense que certainement j'aurais été plus près de lui. J'aurais pu lui parler de plus près. Mais le fait de lui parler dans une autre langue m'apprend peut-être à le connaître, à le dédoubler en quelque sorte, à pouvoir le connaître de l'intérieur et de l'extérieur, à pouvoir mieux cerner ce qu'il signifie pour moi et même en quelque sorte à éliminer tout ce qu'on ne voit pas si on appartient à un seul monde. Par exemple, si quelqu'un ne quitte jamais son village, il peut avoir une idée du monde et de son village. S'il change de village ou s'il va dans une ville, c'est encore une autre idée qu'il a. S'il s'expatrie, s'il va dans un autre pays, c'est encore une autre idée. Et s'il peut aller de pays en pays et avoir une idée du monde, alors l'idée du village elle-même change. Il a en quelque sorte fait le tour de lui-même et il est tout autre qu'il l'était au départ. De ce point de vue, je crois que l'exercice d'une autre langue, quand elle ne dépersonnalise pas l'écrivain, l'aide au contraire à se redécouvrir avec encore plus de force. Vous pensez qu'il conviendra toujours pour les écrivains algériens de continuer à utiliser la langue française ? Non, je pense qu'il viendra un jour où les écrivains algériens utiliseront l'arabe plus qu'ils ne l'utilisent actuellement. Je pense qu'il viendra un jour où les dialectes berbères seront écrits et que les berbères pourront s'exprimer dans leur langue. Je pense aussi qu'avec le temps, les grandes langues universelles seront toujours mieux connues et que il y aura de plus en plus dans le monde entier des écrivains capables d'écrire ou en tout cas de passer d'une langue à une autre. يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب إن في ثوراتنا قصد الخطاب وعبرنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا